la Team Chef, j'espère que vous avez bien. Vous c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, genre, on descend en rappel de la tour Montparnasse. Je suis pas très serein. C'est parti. Ok, Christophe. Donc, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va aller rejoindre le groupe d'intervention en milieu périlleux. Règlement, ça fait peur. Il va aller descendre la tour Montparnasse en rappel. Ah bon? Oh. Ah, ça cale ça. Je peux pas, j'ai muscu. Ça c'est la tenue F1. Tenue F1. Le petit bouton. Ok, le petit polo. Le petit polo qui va bien. Placement de produit, sapeur-pompier de Paris. Tac. Ok. Est-ce qu'il moule bien? Oh, regardez ça les gens. Ah, le souci du détail, regardez. Il moule bien le biceps. Quoi, c'est du S ou du M? Oh, c'est du XL. C'est là où on mettra mon grade de général, c'est ça? Donc la ceinture. La ceinture qui va bien. Le polo à l'intérieur, s'il te plaît. Oh oui, pardon. Polo à l'intérieur, ouais. Faut être pro, faut être pro. Ça fait sortir les pecs en plus. Ok, on y arrive. Faut pas qu'il y ait un feu quand même. On peut sortir un petit peu là. Ouais, tu peux. Ça c'est plus stylé, non? La petite veste, super. Est-ce qu'on peut la couper au niveau des manches pour faire un débardeur? Non. C'est combien il a fait la tour en parlant? 10 mètres, 20 mètres, ouais, wow. 10, 15, 30. Combien il a fait en vrai? 200. 200 cm. Damn Steve. Oh bah on finit, finis t'habiller. Damn Steve, comment tu vas bien? Présente-toi rapidement alors. Alors je suis l'adjudant Bertrand, j'ai 21 ans de service. Je suis patron du groupe Grem, je suis originaire de Millau dans l'Aveyron. Ah pas très loin, pas très loin. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ça? Pas d'intérêt. Ouais. Tes biceps, ça va être un peu limite. Hein. C'est pour moi ça? Ouais. Ah parfait. Donc ça c'est ce qui va me tenir en vie les gens, je vais survivre grâce à ça. Bon ça va le faire? Ouais. C'est parti les gens, on va rentrer dans la tour. Quel beau Saint-Maritain. Ok, allez, premier étage, c'est parti. On prend les escaliers. 51, 52, 53. J'ai compté. Ok, c'est parti. Wow. Ah ouais, on est... Oh, enculé. Oh, oh là là. On va monter encore un peu. Oh là là. Du coup, Steve, tu disais quoi? Bah, s'il y a un souci, on n'est pas loin. Regarde, le cimetière, il est juste là, tu vois. Ah non. Ok, genre regardez la vue qu'on a. Ça fait peur et c'est magnifique. J'ai pas signé pour ça. Les vidéos c'était juste à la muscu à la base. On va l'installer tranquillement sur toi. Tranquillement. Alors déjà t'as un casque. Alors j'ai une question. Est-ce que le casque à cette hauteur c'est vraiment utile? Oui, parce que oui, c'est pas parce que tu vas tomber en bas, mais ouais, tu peux recevoir un projectile du dessus. Ok. C'est un baudrier d'escalade, hein, tout simple. T'as déjà mis? Il y a très longtemps. Quand j'étais petit. Ça c'est ce qui va être autour de ta taille. Ok. Voilà. Tu veux mettre un polo? C'est mieux? Ça fait sortir les bras. Tu serres à fond les ballons. Voilà, ok. Donc ça, ça sert pas pour la descente, ça sert pour la remontée. Ça marche. Faut que tu sentes que ça te sert. Ça resserre les pecs. Pouce bleu les gens, pouce bleu pour le saut. Non, pas pour le saut, on va pas sauter. Pouce bleu pour le rappel. Ça c'est des longes. Tu verras, l'adjudant te dira, bah là tu te longes avec la petite ou avec la grande. La petite. Ce dont tu vas te servir, c'est ça. Le descendeur, ok. Il sera mis ici devant toi. Je commence à me chier dessus. Quand ça sera installé, ça sera comme ça. En tension dessus, t'as un descendeur stop. Ça veut dire qu'il se stoppe automatiquement quand tu le lâches. C'est une sécurité. Donc pour descendre, tu appuies à fond sur la poignée et tu relâches tout doucement dans cette main-là. La vitesse de descente, elle est gérée par ta main droite qui est sur ce brin de corde-là. Tu fais attention à bien laisser une distance. Ouais. Et si ton doigt passe dedans, ça fait c'est mal. Coincé, on sera obligé de t'amputer du doigt. Ok, on va éviter alors. Si je veux respirer un coup, tu lâches et puis tu peux faire ça. Voilà, c'est une sécurité. Parce que comme ils sont vieux, les agrès, ils descendent un petit peu. Comme ils sont vieux. Ah, ils ont servi hein. Au secours mon cœur. C'est bon? C'est bon pour moi. On se lance alors? On se lance de suite là? Allez, feu patate, non pas de suite. Donc le casque au cas où, c'est censé résister à deux Twingo la corde. Je suis bien attaché, c'est juste une question conne, mais voilà pour être sûr. Okay. Allez, on se familiarise. Te longe, mets ton casque et on va se mettre dans le bout au bord. Bon, je suis juste assis au bord de la tour Montparnasse au dernier étage. Putain, c'est ouf, c'est ouf, j'adore. Ça va bien se passer? Oui, oui, oui. Tu es entouré de professionnels. Pouce bleu les gens. Est-ce qu'on peut pas pour une vidéo? Ouais. Alors, déjà, on va se mettre debout là pour se familiariser avec le vide. Puis là, tu me rejoins, allez, viens. Ok. Ah, putain. Tac. Tac. On dirait une vieille. Ok. Eh hey, mais c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté, couillon. Non, regarde. Non, mais ok, d'accord. Ouais, regarde, okay. Regarde, tu vois. Ok. Ils sont petits déjà. Hein. Ouais. Quand je stresse, je parle fort, t'inquiète pas, c'est normal. Ouais, tu parles tout le temps fort. Ouais, mais là. Okay. En fait, t'es tout le temps stressé, quoi. Non. Et tu vois, on s'arrête sur la margelle là-bas. D'accord, je vois pas trop, mais. Si, là. Oh putain, Shango va rigoler, quoi. Ok, d'accord, ok, la margelle. Prends le temps de tout faire, voilà, on prend le temps. Je l'ai jamais connu comme ça. Ouais, non, bah, c'est une expérience, hein. Là, tu vas pouvoir te mettre dans le vide, de toute façon, t'as ça qui te retient et t'as ça qui te retient aussi. D'accord. Okay. Tu vas pas venir t'asseoir okay. Au bord. Tu as fait confiance. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Voilà. Les pieds pendant dans le vide. Ok. Tu t'assois. Wouh. Allez, viens là, mon canard. Tu vas basculer ton bassin. Tu descends doucement. La GoPro, est-ce que tu peux me la redresser un petit peu? Tu as un petit sourire. Et maintenant? Doucement, tu vas venir plus. Te descendre. Là, je peux tenir là ou pas? Ouais, tu peux te tenir. Ok. Ok. Tu peux te tenir là, vas-y.
faire une traction. Eh, tu fais moins le chiot là. Thibaut, t'es en train de tétaniser des bras comme ça. Non. Voilà, je enlève tes mains. Gros bras, quoi. Enlève tes mains de la façade là. Ok. Voilà. Non, je profite. Hein, Ouais, là, tu profites. Ok, je profite. Alors déjà, regarde, tes mains, elles servent à rien. D'accord. On est dans une bulle, il n'y a rien autour. Ok, d'accord, ça marche. Okay. Si tu fais ça, ça, hop, tu pars. Et on y va doucement. Ah okay. Quoi, ce rythme-là, à 13h, on est toujours, hein. Ok. Ta main, en fait, elle glisse dedans, elle reste toujours au même niveau, et c'est la corde qui vient glisser dans ta main. Allez, on y va. Allez, par contre, on a plus frais, chemin. Ok. C'est quoi le texte, là? Ok. Gros pouce bleu pour lui. Ça fait combien de temps que t'es au grimpe? Ça fait 11 ans maintenant que je suis au grimpe. Alors avant j'étais pompier classique. Et puis je voulais voir autre chose. T'as fait quoi comme bac à la base? Un bac pro électricité. Mais ah ouais, rien à voir. Mais rien du tout. T'as commencé ça et maintenant on est là. Moi là-bas je devais conduire des trains, tu vois. Et du coup j'ai attiré aux pompiers de Paris par le fruit des hasards. Tu vois, ça fait 21 ans. Comme quoi là, chez les pompiers de Paris, ben, tu peux partir juste avec un bac qui ressemble à rien. Et maintenant je commande ces 56 personnels. 56 personnes. Ah. Oh là là. Tu fais la muscu un peu du coup, ça se voit. Ouais, disons qu'on s'entretient. On voit bien le biceps. Ouais, mais par contre j'avais plus que toi. Fais-moi le chaud là. Putain, c'est chi dessus quoi. Je me chie dessus. C'est ce qu'on appelle une demi-clé, une clé. C'est-à-dire que là, tu ne peux plus bouger. Mais j'aurais pu ne pas avoir le bac, j'aurais fait la même carrière. Même sans bac, tu aurais pu avoir la même carrière. Exactement. Tu veux faire un posing ou pas? Ouais, enfin un petit biceps, c'est bon. Ok. Ah non, on passe devant le restaurant en fait. Quand tes petits cris là. Oh putain, j'ai plus trop de virilité là. Ah non, plus du tout là. On va faire un jour, on va mettre les mains sur la tête. Allez. On gonfle le biceps, parce que je sais pas si on voit beaucoup la veine là, mais là, ça bouge la corde là. Non, c'est normal, c'est eux là-haut qu'il faut les cons. Oh putain, non, c'est vrai, arrêtez là. Oh les gars, oh putain, ils ont fait trembler la corde. Oh, voilà, d'un. T'as fait quoi, on rappelle, des trucs impressionnants? Sur la tour Eiffel. Sur la tour Eiffel. Allez, on y va, franchement. Ouais, Thibaut, je suis juste en dessous, tu peux faire un coucou. Coucou, voilà, d'un. Coucou. Et le grimpe, ça permet de sauver quel type de personne en Alors, fait? On a plusieurs missions. On a les missions de brancardage, c'est-à-dire qu'une personne qui est chez elle, voilà, l'escalier trop petit, bon, on les fait passer par l'extérieur. On fait les interventions et tentatives de suicide. Et après, on intervient aussi sous terre dans les catacombes. En fait, c'est des techniques alpinistes qu'on a adaptées à de l'urbain. C'est quoi ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir? L'esprit d'amitié qu'on a entre nous. On est tout le temps ensemble. Moi, les gars, je les connais par cœur. Parce qu'il y a vraiment un lien de confiance qui se crée. Parce que les gars, ils ont ta vie au bout du fil, quoi. Ma corde, c'est pas moi qui l'ai installé. Des scènes qu'il y a là-haut, je sais que j'y vais des yeux fermés. C'est génial, c'est un métier génial. On va dire que la vue de votre bureau est plutôt sympa. Sympa le bureau. Le bureau est plutôt cool. Oh, c'est ouf les gens, c'est incroyable. Ouais, tu veux faire l'étoile? Non. Tente tes pieds. Attends, je me cale bien. Allez, vas-y, on bloque. C'est quoi l'étoile? Tu vas voir. Essaye de faire ça. Tente tes jambes. Ok. Tente. Oh putain. Okay. Allez, tente. Allez, encore, okay. Encore, plus le droit là-bas. Plus. Ah, c'est une étoile petite. Mets les pieds sur la paroi, à plat. Mets tes pieds à plat. Oh putain. Mais oui, mais c'est ça que je te dis, tu t'assois. Ouais, mais vous m'en demandez beaucoup, les gars. Ah, c'est dégueulasse. M'en bats les couilles, je suis vivant. Ok. Vivant. Je pense que le plus dur, c'est de se mettre sur la paroi. En fait, de faire confiance au baudrier. Après, une fois qu'on est sur la falaise, sur la paroi, ça va mieux. Mais il faut aller pas regarder en dessous. Honnêtement, je faisais pas le fier. Oh là, qu'est-ce que c'est? J'ai failli finir comme l'oiseau, sale. Vivant, ça va. PLS O2. Je te laisse te reconditionner, mais c'est pas fini. Là, on a une surprise. Une surprise? Je sais pas si ça va te plaire, en fait. Bon, on va voir. J'aime pas trop les surprises. Mais souffle un coup, tu bois. Shaker. Et on part, ok? Ok, on verra bien. Donc là, Thibaut se bouche exprès les oreilles. C'est pas du tout ce qu'on fait, il sait pas où est-ce qu'on est. Surprise. Tu regardes pas. Aïe. Fais-moi confiance. Mais où est-ce qu'on va? Oh là. Ils ont préparé la corde ou pas? La corde? Ah non, pas du saut élastique. T'as pris des épaules un peu, non? Si je vois une corde avec un saut élastique, je pleure. Ah, il y a de l'herbe. Voilà, là t'es passé sur un gazon. Ok, un gazon. Ouais. On va faire du golf. C'est ça. On va faire du golf. Tu ouvres pas les yeux. Non, j'attends quoi? Ne t'inquiète pas. J'y flippe, putain. On est sur des rails. Il y a un train qui va arriver. Quand je te dis saute, tu sautes. Arrête. T'as confiance ou pas? Non. Oui. Non, vous allez pas me jeter quelque part. Non. T'avances pas trop, Aladin. Moi, je me. T'avances pas trop. Pourquoi? Il y a un trou, quoi? Dès qu'on te le dit, tu vas ouvrir les yeux. On va t'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer et tu flippes pas et tu fais ce qu'on te dit. Arrête, sérieux. 1, 2, 2, 3, ouvre les yeux, tu vas prendre l'hélicoptère. Oh, tata, okay. Tu vas descendre en rappel avec eux. Mais non. De l'hélicoptère. Bam, c'est parti. Oh là. Ah, c'est ouf. Oh, c'est dingue. On s'équipe comme pour la tour Montparnasse. T'as vu ça un peu? Oh, je l'ai mis avant Steve. Tu veux un coup de main, Steve, ou pas? Ah, c'est bon. Donc aujourd'hui, les gens, on part en mission avec le grimpe que vous avez vu pour la vidéo Montparnasse. Sauf que cette fois-ci, on sera en hélico. C'est parti. Ok, les gens, c'est parti. On monte dans l'hélicoptère. C'est parti. Hop. Ok. Ok la Team Shape, alors juste pour cette partie de la vidéo, je vais la commenter depuis ma chambre. Car avec le bruit de l'hélicoptère, on entendait ça.
Donc inutile de vous dire que c'était compliqué de discuter. Du coup, pourquoi je monte dans un hélico Dragon 75 de la sécurité civile? Tout simplement car le grimpe qu'on vient de voir et les plongeurs qu'on a vus dans ma précédente vidéo sont amenés à être transportés souvent en hélico pour arriver plus vite sur les lieux d'intervention, mais aussi pour tout simplement atteindre des endroits inaccessible par la route. J'ai donc participé à un de leurs entraînements qui consiste à être hélitreuillé. Ça veut dire que je vais descendre par un treuil depuis l'hélico sur une zone précise. En l'occurrence, nous avons rendez-vous de l'autre côté de Paris que vous découvrirez dans ma prochaine vidéo. Alors abonnez-vous tout de suite pour suivre la suite de nos aventures. Et encore merci à Steve d'avoir été là pour me rassurer car c'était pas gagné d'avance. Wow. Wow. Ah, ce truc de fou, incroyable. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.